proposer un été, savoir si ça m'intéressait de les rejoindre. Donc moi j'étais partant de rejoindre un GAEC. Ça faisait 5 ans que je travaillais ici. On a rencontré tous les associés, puisqu'il y avait à prévoir aussi la sortie d'un associé 2 ans après l'installation. Donc pour déterminer la valeur de l'entreprise, donc au plus juste, on est parti sur une valeur économique avec un peu de valeur patrimoniale qui convenait à tous les associés, qui convenait aussi à Samuel pour son intégration dans le GAEC, puisque c'était une tierce personne. On allait passer d'un GAEC 100% familial à un GAEC avec un associé qui s'installait hors cadre familial. Pour moi, le fait d'avoir été 5 ans en salarié dans cette exploitation, ça m'a permis de bien connaître les personnes avant de m'engager en tant qu'associé. Ça donne une confiance dans le fait de s'installer. On n'avait pas de reprise de foncier, donc on n'avait pas une grosse modification de la structure. On avait juste du rajout de lait. Et puis, les associés, tout le monde était bien en phase sur l'intégration de Samuel. C'est eux qu'on... tout suivi le dossier, tout mon dossier d'installation personnel et pour le GAEC. J'avais juste à fournir les informations, les papiers qu'ils me demandaient. Ils faisaient le reste. Je pense qu'il ne faut pas qu'il brûle les étapes à vouloir tout de suite, dès son arrivée, s'installer et imposer ses conditions. Il faut prendre son temps, discuter. Parler avec les associés, parler avec tout le monde de leurs objectifs, tout ça, de leurs idées futures. Ce qui est aussi important aujourd'hui, c'est le suivi de l'installation sur les 4-5 premières années pour voir si tout est bien en phase avec le PE, apporter les modifications nécessaires sur le plan administratif, mais surtout accompagner le jeune, notamment sur la gestion de la trésorerie, sur la gestion entre les associés quand on est dans une structure sociétaire, et l'accompagner sur le suivi de son plan à l'installation. Donc chez AS49, on a mis en place un suivi qui nous permet de suivre nos JA jusqu'à la fin de leur PE.